Mon Dieu, qu'il était maigre. Oh, ça, c'était juste avant qu'on se rencontre. Maigre? Oh, écoutez, mamie, il n'est quand même pas obèse. Non, mais il est rond. Entre son bureau et son jardin, il ne fait pas assez d'exercice. Je trouve qu'il a un petit peu maigri, moi, ces temps-ci. À l'œil nu, ça ne se voit pas. Oh, ça, c'est de la naissance de Michel. Ah. On t'a cueilli des fleurs, mamie! Que tu es gentil, mon Michel. On n'a pas été trop long? Non, elles sont ravissantes. Qu'est-ce que c'est? C'est moi. Tu t'es reconnue? Et ça? Oh, mes enfants, il est tard, je me sauve. Ah, je te raccompagne, maman. Jusqu'à mon carrosse. Moi aussi, je te raccompagne. Homme du monde. Très bien. Je vous laisse ici, mamie, si vous permettez. C'est bien sûr, ma petite Hélène. Au revoir. Et à bientôt. C'est vous qui venez la prochaine fois. Promis. Disais à Hélène que tu devrais prendre de l'exercice. Hein? Tu vas finir par avoir un gros derrière. Ne sape pas mon autorité, je me sens bien comme ça. On ne sait jamais. Le moindre changement dans mon mode de vie pourrait troubler cette harmonie. Veux-tu que j'aille à la pêche? Idiot! Tout le monde ne peut pas être champion automobile. Oh, écoute! C'est mon plus grand plaisir. Disons que c'est ta seule excentricité. Pas vrai? J'aime le Pernod, c'est une excentricité. Où sont mes lunettes? Je les ai laissées dans le salon. J'y vais. Mais tu as raison, elles doivent être près de la cheminée. Merci, mon ami. Je serai incapable de vous renseigner. Je vous en prie. Maman a oublié ses lunettes. C'est une erreur. Tiens, les voilà. Ah, merci, mon chéri. Allez vite. Pourquoi tu me demandes ça?
Tu m'aimes? Ben oui. Est-ce que je t'avais parlé de cette histoire de tableau? Non. On se demande si le type ne s'est pas débrouillé pour avoir de faux certificats d'expert. Je vais les lire dans mon lit. Tu peux aller te coucher, en tout cas. Je regarde pas la télé. Ça me casse les pieds. Divine sagesse. Non. Bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Qu'est-ce que tu dis? La source des dieux. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas mal. Tu ne suis pas l'exemple de ton fils. C'est mon vice. Laisse-le-moi. Tu sais que plus c'est mauvais, plus ça me plaît. Elle est formidable, ta mère. Formidable. L'un de ces jours, elle va avoir un accident. Penses-tu qu'elle conduit de mieux en mieux? Tu crois qu'elle devrait s'engager dans un rallye? C'est superbe, cette interlude. Quelle heure tu pars demain? Pourquoi? Parce que j'ai des courses à faire, tu pourrais me descendre? Vers 10h, plus tard si tu veux. Non, 10h ça va. Tu veux du café? Non, merci. Qu'est-ce que tu fais demain? Où est-ce que tu vas faire des courses? Je vais me faire nettoyer la peau. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Tu sais bien que ça me fait rigoler. Puis je vais chez le coiffeur. Puis j'irai peut-être me faire un petit cinéma. Il y a quelque chose de bien? Je sais pas, on le dira chez Carita. Tu veux qu'on déjeune ensemble? Bon, je crois que j'ai pas le temps, tu sais. Je crois pas que ce soit possible. Je te ramène. Tu n'as qu'à venir me chercher au bureau. Non, non, penses-tu, je prendrai le train. Mais si, je t'attendrai, ne t'en fais pas. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre. Si tu veux. Thank you.
Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Tu dors pas? Tu dors pas? J'allais te demander la même chose. Tu veux que j'allume? Si tu veux. Tu t'énerves. Tu es comme une pile électrique. Beau chéri. T'es fatigué. Un peu. Je crois que je vais dormir maintenant. Lis si tu veux. Non. Tu peux éteindre. Je te pose au coin de la rue Quentin Beauchat. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu passes me prendre au bureau ce soir. Bien sûr. À ce soir. À ce soir. T'as peur aujourd'hui? Tu crois? J'en suis sûr. Tiens, merci. Si on buvait un coup, hein? Tu n'as pas soif? Moi, toujours. Ah, de plus en plus court. Brigitte, on a soif, mon petit. Qu'est-ce que vous voulez? De la bière, et toi? Moi aussi. Bien fraîche? Bien fraîche. Elle ne va pas tarder à te sauter dessus, j'ai l'impression. C'est fait. Oh, cochon. Et alors? Plus de bonne volonté que de dons réels. Tu sais, la plupart des femmes croient attacher de l'importance au sexe. Mais en réalité, elles s'en foutent. Quelle heure est-il? 3h30. Vas-y, il faut que j'aille changer le disque, c'est mon tour. Non, je vais y aller. J'ai un peu mal au crâne. Voilà, sont presque glacés. Mais ils font pas, c'est imbuvable quand c'est glacé. La bière glacée, des calculs égoïstes. Je suis un Français, à part entière, encore un Français, entièrement de tabac. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Si l'on touchait qu'à Dieu ne plaise à mon pays, fleur de lisée, je chanterai la Marseillaise, peut-être bien le poing levé, je chanterai la Marseillaise en montant les Champs-Élysées, en montant les Champs-Élysées. Vous savez ce que j'ai dit? Non. Eh bien, je lui ai dit, va te faire cuire un œuf. Un jeton, s'il vous plaît. Un jeton, ma caramel. Voilà, en bas de l'escalier entre les lavabos. Oui. Il y a de quoi faire. Allô, Carita, pourrais-je parler à Madame Desvallées, s'il vous plaît? Allô? Allô, Carita, pourrais-je parler à Madame Desvallées, s'il vous plaît? C'est de la part de son mari.
Bon, très bien, tant pis. Non, 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 ça n'a pas d'importance. Merci. Vous avez des cigarettes? Cigarettes, madame Caramel, s'il vous plaît. Lesquelles, monsieur? Des Celtiques. Celtiques? Voilà, monsieur. Pardon. Madame Desvalets vient d'arriver. Merci, Brigitte. Entre, ma chérie. Mais j'arrive trop tôt, t'as pas fini? Si, si. Si, si, j'ai terminé. Tu veux boire quelque chose? Oui. Whisky? Oui. Brigitte, on peut avoir de whisky, s'il vous plaît. Aguichante. D'après Paul, elle ne tient pas ses promesses. Oh, le pauvre. Au fait, ce Paul, qu'est-ce qu'il devient? Il est à la chasse? Oh non, il s'occupe d'un truc assez emmerdant. Je t'ai téléphoné chez le coiffeur. Ah bon? Pourquoi? Pour te prévenir que je finissais assez tôt. Ah bon? On m'a rien dit? Non, tu étais déjà parti. Ah oui, je suis retournée voir le docteur Jivago. Tiens. Ça ne t'avait pas emballé? Ben non, mais tu vois, j'ai eu envie de le revoir. Je l'ai beaucoup mieux aimé cette fois-ci. Ah! Merci, Brigitte. Pour une fois, tu n'éprouveras pas le besoin de me raconter ce que tu as vu. Ah! Ben non. Ah. De 1852 à 1860, Napoléon III dirige la France comme son oncle Napoléon Ier. Et conserve? Il conserve. Et conserve aux Français? Il conserve aux Français. Le droit? Le droit. Suffrage? Au suffrage universel. Voilà. Mais avant les élections, il désigne aux électeurs les candidats pour lesquels il faut voter. Les candidats sont presque toujours élus. Eh oui. Bon, ben, tu revois encore une fois avant d'aller te coucher. Tu peux les lire dans mon lit? Ah, non, 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 non. Je sais ce que tu vas faire. Tu vas lire La Source des Dieux. T'es folle? Si je suis premier au second, j'ai le prix d'excellence. Bon, alors ça va, tu peux y aller. Bonsoir, papa. Bonsoir, mon fils. Hélène. Oui? Dis-moi, j'ai envie de te faire plaisir. Oh, c'est gentil, ça. Si on faisait une petite virée dans une boîte, hein, genre club ou des trucs comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Ce soir? Oh, mais non, pas ce soir. Demain ou après-demain. Ah, oui. On se réunit une petite bande. Paul, Georges et sa femme, Frédéric et Marianne. Mais Frédéric n'est plus avec Marianne. Ah. Mais non. Eh bien, Frédéric sans Marianne. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais bien que ça me ferait plaisir. Faut pas les flamber. Ah bon? Non. C'est meilleur avec un alcool moins fort, mais qui garde toute sa saveur naturelle.
Mais c'est vrai que c'est un cuisinier excellent. Formidable. Bon, j'étais. Mais depuis le temps, je dois avoir perdu la main. En tout cas, ce dîner était excellent. Non, pas mal. Mon cher Charles, cette soirée est une idée divine. L'ermite se fait diable. C'est Hélène qui a décidé ça. Ah non, ce n'est pas vrai, c'est toi. Je l'ai lu dans tes yeux. Mais allons bon. Bonsoir. J'espère que vous avez bien dîné. Ah oui, ça s'est bien passé. Tout à fait bien. Viens danser. Non, non, merci. Je m'amuse. Je suis bien. Je t'assure. Bien sûr. Je vais te chercher ta bouteille. La bouteille de monsieur. Je ne peux même pas vous dire la même chose. Ah. Occupé. Georges, tu n'as pas vu Hélène? Non, Hélène, non. Mais où t'étais? T'as des fourmis dans les jambes? J'ai envie de dormir un peu, j'ai envie de danser. Oh, écoute, 5 minutes, je suis crevé. C'est le manque d'entraînement, tu devrais avoir honte. Mais j'ai honte. J'ai honte. Qui honte? Tu as vu la minette de Paul? Quoi? La minette de Paul! Oh là là, elle est formidable. Si tu nous servais un peu à boire. Frédéric! Françoise! Comment ça va? Eh bien, mais tu es assis sur la table. Ah, mais dis donc, tu es toute bronzée, hein? Oh, ouais, hein. Je te présente Charles, Hélène Desvallées. Bonsoir. Bonsoir. On pourrait y aller? Si tu veux. Vraiment, t'as pas de chance. Non, pas du tout. Attends, on va dire au revoir. Voilà. Oui, attends, on va dire au revoir. C'est au revoir, ma petite chérie. Au revoir, mon petit. J'étais ravi, c'était parfait. Et à bientôt, Georges. Oui, oui, j'espère. Au revoir, mais mon bon. Prie, merci beaucoup. Prie, ça m'a fait très plaisir. À bientôt. On entre là tout de suite, tu sais, on a vraiment besoin. Tiens, au revoir. Allez, viens par ici. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Voilà, salut, au revoir. Tu embrasses Maud pour moi, hein? Oui, oui, d'accord. Mais c'est une vraie soularde. Oh, dis donc, c'est fou, ça. Tu t'es bien amusée? Tu es un amour. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne pouvais pas dormir, alors je vous attendais ici. Mais qu'est-ce que c'est que cet excentrique? Oh, voilà des idées. Je n'aime pas quand vous n'êtes pas là. Mais mon fils, tu es complètement gaga. Allez, va dans ta chambre. Tu trouves ça raisonnable? Je ne vais pas en classe demain. Et alors? Je n'aime pas quand vous n'êtes pas là. Tu l'as déjà dit. Allez, bonsoir. Tu dors, hein? Oui. Pour un petit garçon qui va avoir 10 ans la semaine prochaine, c'est pas très sérieux, ça. Hein?
Merci. Pourquoi? Pour la soirée. Pour Michel. Pour tout. Oh, écoute, Michel va nous entendre. Mais non, il n'entend pas. Oh, écoute, s'il se lève encore. Mais non. Brigitte, je voulais appeler ma femme à la maison. Elle m'a demandé de lui ramener quelque chose, j'ai complètement oublié quoi. Oh, oui, monsieur. Allô? Alors, vous allez me le trouver, ce dossier, oui? Ah, dis donc, tu n'as pas un mouchoir en papier? Si. Ah. Je crois que j'ai chopé un rhume. Serre-toi. Ah, le voilà. Eh bien, c'est pas trop tôt. Je n'ai eu que la bonne. Madame est descendue à Paris au début de l'après-midi. Ah, bon. Merci, Brigitte. Je pense qu'elle fera sa course elle-même. Elle se méfiait de moi. Ah, vous pouvez envoyer quelqu'un m'acheter des mouchoirs en papier. Oh, j'en ai. Merci. Allô, Bignon? C'est Dévalé, le cabinet Dévalé à l'appareil. Est-ce que je pourrais vous voir très rapidement? Une seconde. Voilà. Merci, Brigitte. Quand est-ce que je pourrais vous voir? Parfait. Non, non, pas au bureau. J'aime autant pas. C'est... Je vous expliquerai. Vous connaissez le bistrot à côté? Je vous attends là-bas dans une demi-heure. D'accord. Merci. Bonjour, monsieur. Vous ne m'attendez pas depuis longtemps? Non, 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 non. Tranquillisez-vous. Il est par ici. Vous prenez un bière cassis. Un bière cassis, un café pour moi. Bien, monsieur. Un bière cassis. Je suis désolé pour les tableaux, mais je me suis renseigné auprès de tous les experts. Il n'y a aucun doute. Les certificats sont authentiques. Oui, oui, je sais. Les tableaux étaient faux, mais les certificats sont authentiques. Enfin. Ce n'est pas pour ça que je vous ai fait venir. Bien, monsieur.
personnel. Pardon, monsieur. Je veux dire cassis pour monsieur. Pour monsieur. Pardon, monsieur. Express pour monsieur. Merci, monsieur. Merci. Il s'agit d'enquêter sur l'emploi du temps d'une personne. Vous voyez? Oui, monsieur. Vous connaissez ma femme? Oui, monsieur, je l'ai rencontrée deux fois à votre bureau. Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. Enfin, vous comprenez? Oui, monsieur. Vous acceptez? Oui, monsieur. Vous n'approuvez pas ce que je vous demande, Bignon. C'est votre métier, pourtant. Bien sûr, monsieur. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal. Elle me trompe, je veux connaître le nom de son amant. Je vous demande de le découvrir, c'est tout. Oui, je comprends. Et pendant combien de temps voulez-vous que je travaille? Je ne sais pas, le temps. 3 jours, 4 jours. Oui. Voulez-vous que nous nous rencontrions dans 4 jours? Oui. Où voulez-vous? Oh, je ne sais pas. Ici? Non, 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 pas ici, non. Il faut un endroit plus discret, plus désert. Je trouverai cet endroit, mais... Oui. Supposez que je ne trouve rien, par exemple. Il faudra me dire la vérité, Pignon. Bien. Bien, monsieur. Et Rontata, il y a une surprise. À ce soir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Cette fois, c'est vous qui m'avez attendu. Ça n'a pas d'importance. Alors? Vous avez trouvé? Oui. Oui, monsieur. Vous connaissez un monsieur Victor Pegala? Non. C'est lui? Oui, c'est lui. Votre femme lui rend visite tous les 2 ou 3 jours. À mon avis, 3 fois par semaine. Il y reste environ 2 heures. Ils ne sortent jamais ensemble. Voilà. Vous l'avez vu? J'ai sa photographie. Vous permettez? La voici. De quoi vit-il? Il écrit un peu, monsieur, mais il a une fortune personnelle. Où habite-t-il? À Neuilly, au rez-de-chaussée 27 rue du Bois de Boulogne. Je suis désolé, monsieur. Combien je vous dois? Voici les justificatifs. Ça fait 500 francs, tout compris.
Merci, monsieur. Je vous laisse la photo. Oui. Au revoir, monsieur. Au revoir. Je crois que nous ne nous reverrons jamais. Bonsoir, mon fils. Maman, papa est là! Mais t'arrives plus tôt que je pensais? Va dans le salon, je te sers un verre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons quelque chose à fêter. Quelque chose à fêter? Oui, je vais boire du champagne. Tu vas boire du champagne? En quel honneur? Allez, vas-y, dis-lui. Je prends mieux une histoire, alors je veux avoir le prix d'excellence. C'est sûr, ça? Ben oui, c'est sûr. Alors, il n'y a pas de doute. Il faut que tu boives du champagne. Allez. Triomphe, mon fils. À cette mémorable journée. À cette mémorable journée. À cette mémorable journée. Gâteau à la noix de coco? Oui. Je peux regarder dans ton tiroir? Bien sûr. C'est toi sur cette photo? Quelle photo? Ça, c'est mon fils. Ah bon? Oui. Mais t'as un enfant? J'en ai deux. Un fils et une fille. Ça t'étonne? Ben non, mais... Je sais pas, je vais jamais penser. Le garçon a 7 ans. Et la fille... fille a 5 ans. Mais tu es marié, tu es divorcé? Non, je suis divorcé. J'ai été marié pendant 5 ans. C'était vraiment une emmerdeuse. Tes enfants,
C'est ta femme qui les garde? Bah oui, ils sont mieux avec leur mère, non? Passe-moi une cigarette, s'il te plaît. Merci. Et tu les vois souvent? Oui. Tous les mois. De temps en temps, je passe 8 jours avec eux. Ils t'aiment bien? Ben oui. Je suis un bon père. Tu parles d'une conversation. C'est drôle, moi je pourrais pas vivre sans mon fils. J'espère bien. Mon mari non plus ne pourrait pas. Ben c'est parfait ça. Tu veux encore un peu de thé? Non. Pardon. Quelle heure il est? 5 heures. Faut que je m'en aille. Tu t'en vas? Oui. Je te revois quand? J'ai envie après-demain. Pourquoi pas demain? Parce que demain, je peux pas. D'accord, pour après-demain. Au revoir. Je t'appelle un taxi. Non. Je vais à la station de taxi à pied. Il pleut. Ici, l'impossible union des sphères d'existence est en acte. Ici, le passé, le futur sont conquis, réconciliés. Oh, j'ai loupé le train de 7 heures. Vous savez, ces filles, il n'y avait pas de taxi. J'ai dû prendre un bus. J'ai attendu une demi-heure à la gare. Oh, quelle horreur. Je vais servir un petit verre. Oui, ne te dérange pas. Mais tu aurais dû me téléphoner au bureau. On aurait pu rentrer ensemble. Ah oui? Bah, écoute, tu vois, je savais plus ce que je faisais. Eh bien, merci, Jean Latour, de nous avoir dit ce très beau poème de T.S. Eliot Legrand. Je vais faire une grosse barbe, là. Je vais te faire des moustaches. C'est un homme. C'est un petit homme. Bon, je m'en vais. Tu ne descends pas à Paris aujourd'hui? Non, aujourd'hui je reste avec mon petit homme. Bravo. Il y a tous les copains qui viennent. Bravo. Tu crois qu'ils vont m'apporter des cadeaux? Oh, écoute, ne sois pas bassement intéressé. Vous allez bien vous amuser. C'est déjà ça. Oui, j'ai fait venir un prestidigitateur. 200 francs, ça va? Je crois que ça va leur plaire. Bien sûr. Dépêche-toi de rentrer ce soir. Oui, oui. Allez, au revoir tout le monde. Victor Pégalin. C'est à quel sujet? Rassurez-vous, je ne suis pas représentant, ni un tapeur, ni un quêteur, ni un huissier. Ça me rassure, mais ça ne répond pas à ma question. C'est extrêmement difficile de répondre à votre question. Par exemple, si je vous dis qui je suis, vous allez vous tromper sur le sens de ma démarche. Mais dites-le quand même. Je suis le mari d'Hélène. Oh là là. Non, je vous dis, ne vous trompez pas sur le sens de ma démarche. Allez, laissez-moi le temps d'être un peu interloqué. Eh bien, entrez. Entrez, je vous en prie.
asseyez-vous. Vous voulez boire quelque chose? Un whisky, je veux bien. Scotch ou bourbon? Non, bourbon, pour une fois. C'est raison, le matin, c'est meilleur. Merci. Maintenant que je vous explique. Ah oui, ça, je vous en prie. Je ne sais pas si Hélène vous l'a dit, mais nous vivons ensemble d'une façon très libre. Nous nous aimons beaucoup, nous sommes très unis, mais nous avons compris l'un et l'autre qu'il ne fallait pas empiéter sur nos libertés réciproques. Vous me suivez? Ah, très bien, très bien. Bref, il existe entre nous une complicité que vous devez certainement comprendre. Je la tiens au courant de ma vie comme elle me raconte la sienne. Quand elle m'a parlé de vous, j'ai tenu à vous connaître. Écoutez, j'en suis enchanté. Un peu surpris peut-être, parce que je n'avais pas envisagé votre couple de cette façon-là. Mais je trouve ça épatant. Vraiment? Ah oui, oui. Oui. Non. Vous savez, on a toujours un peu de scrupule de coucher avec une femme mariée. On a peur des histoires, des salades, des trucs. Enfin, moi, en tout cas. Mais là, vous m'assurez. D'autant plus que vous êtes un cas un peu particulier. Ah bon? Hélène a bien des aventures. Enfin, sans exagérer. Ce n'est pas ni pas tant l'air. Mais en général, ça ne dure pas plus d'une fois ou deux. Vous êtes un privilégié. Oh, vous savez, je ne la connais pas. Pas tellement, je ne la connais que depuis 15 jours, 3 semaines. Alors. Et comment l'avez-vous rencontré? Pardon, vous avez du feu? Pardon, vous avez du feu. Oui, mais je ne fume pas à cause de... Je ne fume jamais le matin à cause de... Ça s'est fait tout à fait par hasard, au cinéma. J'étais assis à côté d'elle, n'est-ce pas? J'ai senti une sorte de... disponibilité. Enfin, vous savez bien ce que c'est, bien entendu. Alors, en tout cas, le film était mauvais, n'est-ce pas? Alors, nous avons râlé ensemble, et puis, après, nous sommes sortis prendre un verre pour nous remettre. Alors, le lendemain, je vais donner mon adresse, et puis elle est venue, voilà, rien de plus simple. C'est très rigolo. Oh, vous savez, ça arrive tous les jours. Ça va bien, pardon? Enfin, je veux dire, vous en êtes content? Pas mal, oui, pas mal, pas mal. Enfin, sans histoire. Maintenant, je comprends pourquoi. Ah oui? Ah bah oui, vous ne l'élevez pas positivement dans le sens du péché. Non, ça c'est vrai. Elle est une bonne petite fille. On est mariés depuis 11 ans, vous savez. Ah oui? Nous avons un fils. Oui, je sais. Elle m'a raconté tout ça. Vous voulez un autre verre? Mais volontiers, merci. Pardon. Ah, vous avez de la chance de vous arranger avec votre femme de cette façon-là. Moi, j'étais marié avec une emmerdeuse. Ouf. Épouvantable. Je m'en doute. C'est ce que je préfère chez Hélène. C'est sa douceur. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle est extrêmement douce. Et tendre. C'est très agréable. Vous habitez la banlieue, je crois? Oui, près de Versailles. Ah. C'est pas un peu embêtant de venir tous les jours à Paris comme ça? Oh. On en prend l'habitude. Oui. Je vais vous confier quelque chose que vous ignorez peut-être. C'est un cauchemar pour Hélène. Allons donc. Vous en êtes sûr? Ça, je vous assure. Je vous assure. Une fille comme ça, c'est parfait pour vivre loin de Paris. Bah, c'est elle qui a voulu vivre à la campagne. Ah bon? Moi, elle m'avait dit que c'était vous. Vous parlez souvent de moi?
Non, très peu, c'est très peu. La situation ne s'y prête pas. En tout cas, à mon avis, vous devriez vivre à Paris. Ça, ou ici, Neuilly, c'est presque la campagne. C'est... Vous avez combien de pièces ici? Oh ben, c'est pas très grand. J'ai ce living. J'ai une petite chambre. J'ai une très très belle salle de bain. Très belle. Et alors j'ai une cuisine, des placards, des penderies, des... Vous voulez visiter? Je veux bien, comme ça je pourrais mieux l'imaginer. C'est un peu pervers, vous, non? Non, non, ça m'amuse. Alors, c'est par ici. Par là. Voilà la chambre. Voilà. C'est pas immense, hein? Pour en revenir à Hélène, franchement, je la trouve très agréable. Ne croyez pas que j'en sois épris. Ça m'est très difficile de tomber amoureux. Ouais, je crois. Qu'est-ce que vous regardez? Ah, vous l'avez reconnu. C'est Hélène qui m'en a fait cadeau. D'après elle, vous aviez oublié son existence. Pourquoi vous l'a-t-elle donné? Ça, j'en sais foutre rien, alors. Peut-être pour se faire plaisir à elle-même. Mais et vous, pourquoi vous lui aviez donné? Pour notre 3e anniversaire de mariage. Nous habitions rue de Grenelle à l'époque. Vous n'étiez pas foulé, hein? C'est elle qui l'avait choisi. Ah bon? Venez par là. Je ne peux plus. Qu'est-ce que vous dites? Excusez-moi. J'ai un malaise. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. La tête me tourne. C'est le whisky? Vous n'avez peut-être pas l'habitude. Tenez, asseyez-vous. Non, non, merci. Ça va passer. Vous voulez un Aspro? Non, non, merci. Mon Dieu, vous avez une drôle de gueule. Oui, je sais. Thank you.
Pourquoi est-ce que vous avez ralenti? Écoutez, ça va. Donnez-moi votre adresse et je vous donne la mienne. Bougez pas deux secondes. Mais je vous en prie, je vous en prie. C'est pas la peine. Oui, bien, vous êtes dans votre corps. Eh, hey, oh, vous, le breton des Carpates, va faire un tour. Je suis assuré tout risque, ne vous en faites pas, donnez-moi votre adresse. Ça, y'a rien à faire. Mais puisque je vous dis que la dernière fois, il m'a assuré. Mais vous n'allez pas me faire perdre bien. Mon temps. Bien, pas. Dieu, je suis assureur. Mais pourquoi perdre du temps? Moi, je fais un constat. Messieurs, sans peut-être faire le constat. Rien de cassé? Mais non, rien de cassé. Qui a ce stylo là? Dites donc, votre coffre. Il est coincé, votre coffre. Mais ce n'est rien, mais ce n'est rien, c'est de la tôlerie. Il s'en fout! Il est assureur! Ça me regarde pas! Moi, je fais un constat. Autrement, ça sera comme la dernière fois. Je vais être de ma poche. Je veux pas être de ma poche. Je suis toujours de ta poche. Toujours. Il s'en fout! Écoutez, il est écoutez! Allez, va! Rentrez chez vous, tout le monde! Vous mettez le coffre enfoncé et allez en avant! Oh, mais je vous en prie! Vous faites attention que la route ne frotte pas! Allez, circulez, messieurs, je vous en prie! Allons! Bon, vous avez vu quoi? Oh, oh, alors, ça va comme ça! Ça va comme ça! C'est pas là, c'est pas de mon ressort! Ah, ouais, bon, merci. Allez, madame. Allez, c'est bien. Faites ici, madame. Quel dommage que tu n'aies pas été là pour goûter. Ils ont mangé comme des hommes. J'ai pas pu arriver plus tôt. En plus, j'ai eu un accrochage idiot. Oh, c'est vrai, tu as l'air tout pâle. Tu veux boire quelque chose? Mon mari, Madame Thomas. Enchantée. Mais dommage, madame. Oui, je vais aller me servir un petit whisky. Antoine, le fils de Madame Thomas, est le meilleur ami de Michel. Ah. Il est adorable. Oh, pas toujours. Et il est loin de travailler aussi bien que le vôtre. Oh, ça ne fait rien.
Dans 2 ou 3 mois, ce sera sans doute le contrat. Excusez-moi. Bonjour, madame. Mon mari est toujours là? Oui, madame. Bonjour. Bonjour, Hélène. Quelle bonne surprise. Ça fait au moins 8 jours qu'on ne s'était pas vu. Oui. Tu peux me ramener? Bien sûr, ma chérie. Tu as passé une bonne journée? Oui. Mais fatigante. Je suis complètement crevée. On va pouvoir partir tout de suite. J'ai terminé. J'ai fini. Attends-moi. J'en ai pour 2 minutes. Pas le temps, je vais arriver en retard. Mais je t'emmène en voiture. Bon, il y a 300 mètres. Allez, salut. Salut, mon fils. À ce soir, maman. À ce soir. Tu prends pas un œuf? Non, non, merci. Je vais juste boire le thé. Comment ça va, ton mal de tête? C'est fini. Tu ne descends pas à Paris aujourd'hui, je suppose? Non, je vais rester ici, me reposer. Ça ne te fera pas de mal. Tu prends pas un toast? Non, non, merci. Rien. Quand tu as mal à la tête, ça me coupe l'appétit. À ce soir. J'ai besoin d'un peu d'argent. Montez dans ma chambre, je vais vous en donner. J'ai envie de faire du foie de veau à midi. Oh, faites ce que vous voulez. Je n'ai pas faim. Je vais faire du foie de veau. C'est très bon pour la santé et puis ça se mange sans faim. Très bien, du foie de veau.
Oui. Madame, c'est deux messieurs qui veulent vous voir. Ils veulent me voir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je suis fatiguée. Ils sont de la police, madame. La police? Pourquoi? Ça, je ne sais pas, mais je leur ai dit que j'allais vous prévenir. Dites-leur que je descends. Bien, madame. Pardonnez-nous de vous déranger, madame. Officier de police Duval. Voici l'officier de police Gobet. Madame. Excusez-moi de vous recevoir ainsi, messieurs, mais je me sens un peu souffrante. Et j'avais décidé de ne pas sortir. Je suis d'autant plus désolé de vous déranger, madame, mais nous allons essayer d'être le plus bref possible. Voulez-vous me suivre? Asseyez-vous, je vous en prie. Pardon. Pour vous ennuyer le moins longtemps possible, j'en viens directement au fait. Connaissez-vous un nommé Victor Pegala? Oui. Enfin, je le connais un petit peu. Pourquoi me demandez-vous ça? Est-ce que vous savez où il se trouve? Ah non, je ne sais pas. Chez lui, je suppose. Vous connaissez son adresse? Il habite à Neuilly, non? Nous avons trouvé votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, parmi d'autres d'ailleurs, dans le carnet d'adresse de M. Pegala, que voici. Alors, vous comprenez, nous faisons un travail de routine. Nous demandons à tous les gens dont le nom est porté sur ce carnet s'ils savent où se trouve M. Pegala. Mais je ne comprends pas. Il a fait quelque chose de mal? Il avait rendez-vous avant-hier à 2h avec son ex-épouse pour lui verser sa pension alimentaire mensuelle et s'organiser pour les vacances de ses enfants. Or, il n'est pas venu. L'ex-madame Pegala s'est inquiétée. Elle s'est rendue à son domicile, personne. Elle a ensuite essayé de l'appeler au téléphone à plusieurs reprises pendant la soirée et dans la nuit. Pas de réponse. Vous la connaissez? Non, pas du tout. Ça a l'air d'être une femme de tête. Hier matin, elle est venue nous voir. Enfin, je ne veux pas vous ennuyer avec cette histoire. Je vais juste vous poser une ou deux questions. Quand avez-vous vu M. Pegala pour la dernière fois? Ma foi. Je ne peux pas vous dire. Oui, je comprends. Eh bien, je suis désolé de vous avoir dérangé, surtout si vous êtes souffrante. Enfin, nous avançons un peu. En tâtonnant. Vous comprenez? Enfin, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Si par hasard, ça m'étonnerait, mais enfin, on ne sait jamais. Vous aviez des nouvelles, vous serez bien aimable de m'appeler à la police judiciaire. Officier de police Duval. Ou officier de police Gobet. Est-ce que vous croyez qu'il est arrivé quelque chose à M. Pegala? Oh, ben, cette enquête est systématique. Mais il n'est pas impossible qu'il s'agisse d'un meurtre.
On me reproche toujours d'avoir une vision trop pessimiste de l'existence, alors... Excusez-nous encore de vous avoir dérangé. C'est papa. Bonsoir. Ah. Alors, ça avance? Je n'arrive pas à trouver cette pièce. Comment ça va? Ça va mieux maintenant. Tu veux boire quelque chose? Oui, oui, ne te dérange pas. J'ai eu une curieuse visite cet après-midi, la police. La police? Oh, rien d'important, mais enfin... De quoi s'agissait-il? Une vague relation qui a disparu. Qui? Tu connais pas Victor Pegala? Je connais pas. C'est un écrivain. Je sais même plus où je l'ai rencontré. Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Enfin, pourquoi sont-ils venus t'interroger? Parce qu'il avait mon nom sur son carnet d'adresse. Ah, compromettant. Oh, écoute. Je vais voir où on est le repas. Tu viens m'aider, papa? Comment ça se fait qu'on ne peut pas trouver cette pièce? Je ne sais pas, mon fils. Je les ai toutes essayées, je ne peux pas la trouver. Peut-être qu'elle manque? Peut-être. Oh, écoute, ce puzzle. Tu ne fais que parler de ça, ça suffit. Il faut bien parler de quelque chose. Tais-toi. Je ne sais pas si on pourra garder Brigitte. Ah bon, pourquoi? Depuis l'histoire avec Paul, elle ne peut plus supporter une observation. Évidemment. Il est embêtant à cause de ça. On ne peut pas se retenir. Écoute, ce n'est pas si grave, il a d'autres qualités. Pourquoi est-ce que quelqu'un disparaîtrait tout d'un coup? Cet homme qui a disparu, ce n'est pas normal. Je ne sais pas, mon chou, ça va t'arriver de temps en temps, je suppose. Il y a quelqu'un qui a disparu? Oui, la pièce de ton puzzle. Bonsoir, messieurs. Nous retrouverons ce soir M. Grimaud en compagnie de Léon Zitronicu. Mais c'est celle-là. Écoute, c'est pas possible! Mais si, c'est possible. La preuve. Elle est nulle part! Écoute, calme-toi. Hein? Tu l'as cachée, j'en suis sûre! Mais non, je ne l'ai pas cachée! Si, tu l'as cachée, tu es un salaud! Non, mais... Tu me traites de salaud, maintenant t'es pas un peu fou, non? Je vais te calmer, tu sais. Tu l'as cachée! Allez, monte te coucher immédiatement! Non! Oh, ce puzzle, on est assez! Ça suffit, ce puzzle! Non! Allez, au lit! Vous êtes fous tous les deux. Je vous déteste.
Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ce sont les deux messieurs de cet après-midi, madame. Faites-les entrer. Faites-les entrer. Madame, nous venons encore vous déranger. À une heure bien tardive et je m'en excuse. Je ne sais pas quoi vous répondre. Je vous présente mon mari. Bonsoir, monsieur. Officier de police Duval. Et voici l'officier de police Gobet. Monsieur. Monsieur. Et voici mon fils qui allait se coucher. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon fils. Madame, monsieur, je me suis vu contraint de revenir ce soir car certains points nous restent obscurs. Et vous aurez peut-être la possibilité, madame, ou vous, monsieur, d'éclairer notre lanterne. Excusez-moi. Pour Télésoir, bonne soirée à tous. Vous connaissez monsieur Pegana, monsieur? Non. Ma femme m'a déjà parlé de votre visite. Non. Je ne le connais pas. Bien. Madame, je suis obligé de vous demander un effort de mémoire. Essayez de vous rappeler où vous avez fait la connaissance de monsieur Pegala. Mais je vous l'ai déjà dit. Je ne me souviens plus du tout. Je vous en prie, madame, cherchez. Je ne sais pas. Un cocktail littéraire? Oui. Lequel? Mais je ne sais pas. Julia. Julia. Enfin, je vous dis Julia, je ne sais pas. Comment voulez-vous que je me souvienne? Je comprends que ça doit être très difficile, madame. Et vous, monsieur, vous assistiez à ce cocktail? Oui, il me semble, oui. Ah, alors peut-être avez-vous fait la connaissance de monsieur Pegala? Non, je ne crois pas. C'est un nom qui ne me dit rien. Vous voulez voir son visage? J'ai sûrement une photographie. Si vous voulez. Non. Son visage ne me dit rien. Mais madame, il n'y a pas d'erreur. C'est bien lui que oui, vous connaissez. C'est bien lui. Et vous ne vous êtes jamais rendu chez lui? Non. Mais, enfin, vous savez, inspecteur, je le connaissais vraiment très peu. Je me demande même pourquoi il avait noté mon adresse. Peut-être vous trouvait-il à son goût. Peut-être. Dites-moi, inspecteur, je ne voudrais pas avoir l'air impatient, mais vous comprendrez que, quelles qu'en soient les bonnes raisons, ce genre d'interrogatoire est désagréable. Je ne voudrais pas vous empêcher de faire votre travail, mais il est bientôt 10 heures. Oui, vous avez raison de me le rappeler, monsieur. Ce genre de disparition est toujours tellement ennuyeuse, alors j'essaie de piocher à droite ou à gauche les éléments qui pourraient m'aider. Vous n'êtes jamais allé à Neuilly, vous, monsieur? Comment ça, à Neuilly? Oui, je veux dire, chez monsieur Pegala. Mais je ne le connais pas, inspecteur, je ne sais pas où il habite, je ne sais rien. Oui, je sais bien, monsieur, que vous ne savez rien, et ça ne me facilite pas les choses, croyez-moi. J'en suis désolé. Que voulez-vous que j'y fasse? Bien, eh bien, je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Non, je comprends très bien que vous faites votre travail. Oui. Et ce genre d'affaires, c'est la plaie dans notre métier, croyez-moi. Je vous accompagne. Merci. Je vous en prie. Cher monsieur, j'espère ne pas être dans l'obligation de vous déranger de nouveau, mais c'est une chose que je ne peux pas vous promettre. Comprenez-moi. Oui. Au revoir, inspecteur.
parer les dégâts. Quels dégâts? Là. Regarde. Tu me pardonnes? Oh, je t'aime. Encore les deux messieurs d'hier. Oui. Je vais aller voir ce qu'ils veulent.